avec tout le monde, tout, c'est super. Tu dois dire Joachim le meilleur. Joachim le meilleur présentateur, oui, je l'avoue, voilà. On dit ça parce qu'il va faire du gâteau, donc... Ouais, voilà. Et encore, c'est sa tante qui va le faire, il le fait même pas à la main. Voilà. À la main, tu veux que je le fasse comment? Bah à la main. Bah à la main, tu vois, avec la farine et tout. Qui ne rentre pas chez lui demain? Qui ne rentre chez lui que très... Qui... Ah, parce que tu penses que nous, on ne rentre pas chez nous. Attendez, qui va chercher Wonderbox samedi? Qui a rigolé? Bonjour Adi, peux-tu nous décrire tes impressions? Mais chante. Moi je chante. Mais non, c'est à toi de décrire. Avec le micro et tout. Vas-y Joachim. Alors voilà, nous sommes... La personne qui tient. On est le 8. Nous sommes le 8 mai. Le 8 mai. Le 8 mai. Ah oui, mais... Le 8 mai. C'est bon, demain c'est le spectacle de danse. Alors demain c'est le spectacle de danse. On commence à avoir la pression du tout parce qu'on n'est pas prêt du tout. On a peur. Enfin, je parle pour moi, mais je parle en nous pour pas que j'ai mon gourdin. Et donc voilà. Il a peur. Mais où est-ce que je l'ai vu? Va chercher mon gourdin. C'est un truc à peu près grand comme ça, très large comme ça. Je le secours. Oui. Je le sais. Voici la vraie star de ce spectacle. Je sais, je sais. La vraie star. Vraie star, on peut le dire. Comment vous appelez-vous? Solène. Et vos impressions? Eh bien, je suis très contente de faire ce spectacle. J'ai été très contente de savoir que j'y participais. C'est génial. Bravo! C'était beau, c'était bon, beau. On va aller chercher mon bras. Oui, on va chercher ton bras. J'ai cru que c'était pas fait ça. Ça, c'est la couche à toi. Bonjour tous les bons. On va chercher mon bras. Gâteau. Alors là, c'est l'éloge des danseuses. Et comme par hasard, l'éloge des comédiens, tout bouillé, on va vous les montrer. Comme certains ont pu le faire remarquer, nous n'avons aucun miroir. Hein? Quoi? Je sais pas. Aucun miroir pour toi. Merde, il est pas ici. Les voilà costumes. Tous les costumes de la star. C'est pas à moi tout ça. Hein. Yes. Bon, allez, nous descendons, nous allons chercher un gourdin. Je crois que c'est Elisa. Bonjour. Alors, toi, quelles sont tes impressions quelques minutes avant le spectacle? Enfin, avant la répétition générale. Ah oui, wow. Tout ça, attends, wow. Franchement, c'était beau, wow. C'était profond et tout ça, merci. Fait du cœur. Merci. C'est ça, la tous les petits Cro-Magnons. Cro-Magnons, quelles sont vos impressions? Vous êtes contentes de faire le spectacle? Oui. Vous êtes sûres? Madame. Oui, la générale est une catastrophe. On a commencé en retard, il n'y a plus rien qui va. On croise les doigts pour demain. Ça va aller. Merci. J'ai retrouvé. Regardez, c'est un objet long, je fais aller à peu près dans tous les sens. Hein? Il peut servir pour plein de choses. On va pas aller. On va montrer les pas perdus. Les quoi? Les pas perdus? Les pas perdus. Ah. Bonjour, les Francis Logo. Je peux pas sortir ainsi, hein. Ah oui, juste là. Un sourire, s'il vous plaît. Sourire. Il faut sourire, monsieur. Je vais aller répéter mon texte. On revient dans les on fait une fois, même. Vas-y. Alors comme ça, nous allons parcourir les grands moments d'histoire. Alors comme ça, nous allons parcourir quelques grands moments de l'histoire. Ça va pas être marrant. Les dates et moi, on n'est pas copains. Là, sur Jean-Michéry, va nous raconter à sa manière l'histoire de France complètement détournée et pleine d'anachronismes. D'anacquoi? Alors là, si en plus tu utilises des mots savants. Tout plein du côté un peu rébarbatif de l'histoire. Ici, enfin du moins au début, parce qu'après, mais c'est une autre histoire. Ah, je te suis plus là. Écoute et regarde, tu vas découvrir une autre histoire. Attention, ne retiens rien, car ce sont des fariboles. Oh, je sais qu'il y a déjà tellement de mensonges, j'en ai fait rapporter au fil des ans. Un de plus, un de moins. Oui, c'est pas faux. Et puis nous allons illustrer le tout en montrant l'évolution de la danse. On dit que la danse est l'un des premiers arts que l'homme ait développé avec la musique, c'est vrai? Exact. Certaines peintures rupestres montrent déjà qu'on danse à la préhistoire. Alors, prêt à rencontrer l'homme des crocs, l'homme des mains, l'homme des Cro-Magnon. Charmé, voyons cela, tu m'as coupé dans une phrase. Tu veux dire que l'homme des Cro-Magnon valse avec madame? Ah bah oui. C'est pas grave, hein? Pas grave, ça va. C'est pas grave. En tant que star, je ne peux pas me permettre de... Ah, ouais, non, tais-toi. En tant que star, ouais, non.